Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire 2023 qui a pris fin il y a quelques jours. Alors, si tu es prêt à savoir tout, allons-y. Dans cette édition passionnante, les 30 finalistes se sont affrontés à travers une série de défis pour remporter la couronne tant convoitée. Et devinez quoi? La grande gagnante de cette année est Mylène Dioni, représentant fièrement la région du Inzi et titrée Miss Dembroko. Mylène a su se démarquer parmi ses concurrentes grâce à son discours captivant et rassembleur qui a su séduire le public. Mais ce n'est pas tout. Son premier geste après avoir remporté le titre a suscité une véritable vague d'admiration. Dès l'annonce de sa victoire, Mylène a tenu à exprimer sa gratitude envers Dieu. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux la montre dans un moment de recueillement, les mains jointes et les yeux levés vers le ciel. Ce premier geste symbolique de Mylène en tant que Miss Côte d'Ivoire 2023 en dit long sur sa personnalité authentique et ses valeurs profondes. Elle démontre son engagement envers sa foi et son désir de représenter son pays avec humilité et grâce. Alors que Mylène entame son règne en tant que Miss Côte d'Ivoire 2023, son geste inaugural restera gravé dans les mémoires. Elle incarne l'espoir et la détermination d'une femme qui, au-delà de sa beauté physique, aspire à promouvoir des valeurs positives et inspirantes. Et oui, la famille, nous sommes à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !